Bien le bonjour. Ici ta mère nature, votre jardinière préférée. Aujourd'hui, on se lance dans le tuto le plus easy de l'année pour faire pousser des trucs qui se mangent, sans terre, sans pelle, sans presque rien du tout. Eh ouais. Je vous présente les graines germées, qui, comme leur nom l'indique, sont des graines qui ont germé. Pourquoi se lancer dans la culture de ces petites choses? Bon bah d'abord, c'est bon. Meilleur argument. Deux yeux, bah, ça égaye n'importe quelle tartine ou soupe un peu moche de base. Et surtout, ça peut contenir jusqu'à 600% des nutriments d'une plante mature. Genre ce petit truc là, ça vaut genre ça en énergie quoi. Alors c'est y par le tuto. Il vous faut un pot en verre, lavé bien sûr, comme vos dents, un élastique, un morceau de gaze, de tulle ou même un bout de vieux collant, et des graines à germer pardi. Cumin, coriandre, nigelle, fenouil, chou, haricot, petit pois, radis, betterave, roquette, tournesol, la liste est infinie, alors tentez des trucs. Ensuite, c'est pas bien compliqué. On prend une cuillère à soupe de graines qu'on met dans le bocal, on remplit d'eau et on laisse tremper ça pendant toute une nuit ou au moins 5-6 heures. On peut maintenant filtrer l'eau. Vous verrez, les graines ont un peu gonflé. On rince et on met le bocal la tête en bas à l'oblique pour laisser s'égoutter. On répète cette opération, hein, qui prend à peu près 15 secondes, le matin et le soir, pour venir réhumidifier les graines. Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours, en n'oubliant pas de danser autour de temps en temps pour accélérer la pousse. Conseil de pro. Ça y est, c'est prêt! Vos graines ont germé. À vous, les saveurs fraîches et l'autonomie alimentaire! Oui, bon, presque. Faut bien commencer quelque part, hein. Allez, bisous!